Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, on a l'autre occasion, nous tournons encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi, salut à tous les amis qui branchent Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales. Que Papa Bon Dieu continue de bénir nous toutes. Eh bien, je vous dis à là, c'est exactement, je vous dis lundi 23 janvier 2023. Que bon Dieu protège nous, que nous passions une bonne semaine, une semaine dans la paix, santé. Et merci en pile avec toute fanatique qui toujours aide nous partager l'émission. N'a pas salué personnage, n'a pas salué tout le monde qui est handicapé, n'a pas salué toute fanatique qui est dans la diaspora et paysan. Madame, messieurs, voilà, et nous saluons l'équipe là, et Ronnie Boutonton, et lui-même qui a fait manœuvre technique. Merci en pile, information, vous chargez pas campé. On a les informations droite. Et Premier ministre de facto, Ariel Henry, li kite peyi a, depi hier dimanche la, li ale nan peyi Argentine pou l'kapab patisipe nan 7e sommet CELAC. Et bien, kap fèt demain madi a, selon Bureau Communication la primatif, et bien, se ministre finance lan, Michel Patrick Boisvert, ki remplace de facto Ariel Henry pou yon titan. Ariel Henry assassin, bakon sa Ariel Henry ye, pou Ariel Henry koui al nan peyi Argentine, l'a participé dans le 7e sommet, l'a représenté Haïti. À la cause qui est dans le pays d'Haïti. Bon, ça, Ariel Henry, pour Ariel Henry, l'a représenté Haïti. Mes amis, je vais vous dire, le 7e sommet, ça a un pile pays à participer là-dedans. Gagné Louis Abinader, qui est en là tout, président dominicain. Eh bien, où est Ariel Henry là? Il dit, il représenter Haïti. À la cause pour nous entendre, mes amis, à la de Salmanaza. Eh bien, madame, messieurs, c'est comme ça. Et il faut que je vous dise, pasteur Sylvain Exantus, qui c'est président Fédération protestante d'Haïti, lui dit c'est l'État qui est responsable de l'insécurité qui la cause. Et lui n'a pas fait investissement non social pour faire pour capable empêcher les géniaux by problème. Je dis qui veut dire bandio, bien pasteur a dit. Et c'est parce que l'État n'a pas fait travail qui cause toute gêne la gêne dans la question bandit. Alors pasteur, faut nous disons que ce n'est pas toute gêne. Alors gêne sans qui n'a pas de caractère. Jeune et volé bandit sa yo, parce yon pile jeune gagne caractère, yo fait respecter yo, yo participer dans ça qui pas bon. Et bien pour pasteur Sylvain Exantis, li dit c'est l'État qui responsable insécurité qui la cause. Et bien tout et bagay sa yo a fait dans pays a, et spécialement insécurité a madame monsieur qui exagéré et dernier moment yo là dans pays d'Haïti. Qui dit insécurité a continue à taille mandat dans pays a. Gang yo continue à tuer moun. Gagne tout et si a terre et Akole Plaza nous connaît konya la qui dit ou accepter HTC qui se conseil aux transition. Eh bien yo dit yo d'accord pour accord 21 décembre installé. Yo mandé pour faire ça rapide pour madame Milan Maniga vin commencer travail pour élection capable fait dans pays a. Ça c'est si a terre Akole Plaza yo qui fait déclaration si la. Madame Messie. Alors, c'est gros cause, mes amis. C'est gros cause pour nous dans le pays. Ça, oui, ok? Et il faut que nous tout, il y en a pas qui, pour nous connaître, gagne un dossier juge corrompu qui gagne. Qui veut dire émission, ça, son émission, nous allons partir là-dedans, nous allons faire autant de plus de détails avec un juge qui peut parler là, sous corruption, juge corrompu, juge qui n'a gang. En pile, dans le juge, ça, il a gagné un gros cas, il a plein l'argent. Eh bien, ULCC, et Geta annoncé là, il pral mener investigation sous tout JSAO pour yon connaître bien yon gagnant, qui côté yon jouen kob, yon fait bien ça. Qui veut dire ULCC yon même, yon pral mener enquête sous tout juge qui pas certifié. Gen juge qui pas même fait 6e année fondamentale. Gen juge même, juge la vin avec un bout de papier, li dou, li pa jam ka passe nan reto. Il pas capable dans reto et bien vous voyez là le faire filo le passer dans filo alors juge là cap déclarer ça un juge qui dans Jacques Mel et bien dit si on dans juge corrompu alors on est qui gagne pile temps dans système là c'est qu'on n'a pas découvrir les pas jamais capable dans reto et bien là le faire filo et ballon bout de papier là le faire filo autant de gagne juge et bien juge corrompu ça yo yo gagne en pile l'argent dans pays a yo chargé caille et bien d'après information nous joine c'est dans gang yo fait l'argent parce que yo a yo libéré on c'est des assassins gang nèg qui participer dans gros crime dans pays a et bien juste ça libéré yo et bien c'est ça qui cause même madame monsieur ULCC yo même yo pral mener enquête pour yo connaître côté nèg ça rejoindre toute l'argent ça yo et bien pour yo faire caille nèg ça acheter et on c'est des
pile bail dans le pays. Mais ça, vous même investi en République dominicaine. Eh bien, investigation pral continuer mener dans le pays d'Haïti. Voilà, et Jacques Lafontaine qui dit, qui c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince là, il dit la presse est vraiment pile menace. Et Jacques Lafontaine dit la presse est vraiment pile menace après il dénoncer Pierre Espérance avec ancien ministre justice et Berthaud Dossier. Il dit il dénoncer tout. Et Samuel Madistin dans le dossier sur Généa. Jacques Lafontaine dit dossier sur Généa, c'est un dossier, n'est-ce pas, demandé pour le vendre dossier. Alors nous connaissons Sogene et dossier Sogene avec l'État dans le pays d'Haïti. Eh bien, Sogene, il y a Sogene, Dimitri va pile l'argent. Eh bien, Jacques Lafontaine dit qu'il y a besoin pour passer le dossier en bas. Alors, faut que je dise, Samuel Madistin lui-même, qui c'est avocat Sogene. Eh bien, Jacques Lafontaine, il déclare tout. Et il y a un monde qui dame ça, qui c'est un monsieur qui est un monsieur encore. Eh bien, monsieur Alex. Et guignon l'autre monde encore, eh bien Jacques Lafontaine dénoncé, eh bien dossier Pierre Espérance là. Eh bien dossier Pierre Espérance là, Jacques Lafontaine dit Pierre Espérance t'a demandé pour pas faire enquête, qui veut dire pour te libérer tout, pour te libérer en pile monde qui t'a participé dans tout le président Jovenel Moïse, pour pas t'arrêter en pile monde, eh bien il dit pas de faire travail avec ça. Eh bien depuis ça, la presse se voit gros menace madame Messi. Et moi le faire nous tendre émission côté un juge pour bail détail. Sous juge, soi-disant juge qui pas satisfait yo, parce que juge corrompu sa yo, pour aller gen courir dans le pays d'Haïti, parce que juge sa yo, pour aller entraver, parce que ULCC, yo pour aller mener enquête, pour commencer à saisir tout bien, neg sa yo gen dans le pays, ya juge volé, juge gang sa yo, et bien yo fait comme ça. Moi, il faut attendre plus de détails avec un juge qui va le bail détail. Juge Max. Juge Martel Jean-Claude, lui-même avec lui, nous pralouer. Et note ça que ULCC lui-même li mettait dehors pour faire qu'on est aller enquêter sur patrimoine et magistrat qui pas certifié yo pour qu'on ait comment que et CSPJ lui-même qui prend décision ça qui gagne d'ailleurs moun sa yo qui pas certifié tant que je nous dis n'a recevoir juge Martel Jean-Claude. Juge Martel Jean-Claude, bonjour, bienvenue sur Magique 9 et bonne année. Donc c'est première fois nous recevoir au Boania là. Oui, tout à fait. Et bonjour madame Anicile Maître et bonjour Livera Batendeli. Livera, oui. Bonjour Livera et bonjour à toutes fidèles auditrices et auditeurs Magique 9. Et on a profité pour moi souhaiter une bonne année à nous-mêmes et à tout le monde qui a écouté Magique 9 matin. Et comme toujours, c'est un plaisir pour moi. Merci parce qu'on répond avec invitation. Nous, avant nous entrer directement dans notre ULCCA, ou même en tant que magistrat qui est dans le système, comment on recevoir et nouvelle ça à côté que gagner de confrères et magistrats qui pas certifié des fois ou regarder motif ou comment te recevoir et nouvelle ça. D'abord c'est une nouvelle qui était pratiquement troublée non lorsque nous aurait quantité de magistrats qui pas certifié par rapport à nombre de magistrats qui étaient soumis à enquête ça. Et nous connaissons la justice li là pour les capables de permettre que la société marche bien. Et nous connaissons les magistrats qui ont pris le pouvoir sous la liberté citoyenne et sous l'avion. Et c'est ça qui fait que les magistrats ont un ensemble de règles déontologiques qui sont attachées à la mission, qui permettent qu'ils jouissent d'une réputation auprès des citoyens. Et il y a ces demandes qui doivent être au-dessus de tout soupçon. Et c'est une raison qui fait que lorsqu'il y aura une décision, justiciable, il a accepté, parce que il a cru que la justice n'a pas subi aucune interférence et le juge a agi suivant la loi de conscience. Et nous connaissons malheureusement la justice en Haïti, n'a pas joué d'une bonne réputation, et côté que magistrat, il est taxé souvent de corruption. Et maintenant, rapport ça, les vignes établies, qui ont pris l'allégation que nous avons entendu, qui ont pris la suspicion que nous avons fait sur la justice, eh ben, apparemment, ils ont fondé un nombre de magistrats qui n'ont pas certifié. Maintenant, ça a été troublé, nous, dans la mesure où nous connaissons tous ces collègues, que, donc, là,
mois, qui a plus de 10 ans qui sont d'expérience. Et cette décision, je crois, mettre fin dans la carrière. Humainement, ça a touché nous et nous avons espéré que nous ne pas arriver dans telle situation. Mais nous connaissons la loi, fait obligation à cette SPJ pour les certifier dans sa mathématique. Et son processus qui est indispensable pour capable assainir la justice, pour capable moraliser dans le cadre des fonctions judiciaires et en Haïti. Et c'est pour ça que le processus a l'idée pour suivre, de continuer. Et pour ces SPJ, capable de apporter la correction nécessaire pour éviter de bondir, patatouiller et dans le système non certifié pour ne pas figurer dans l'État. Gagner de magistrat qui a estimé, alors on ne peut pas dire magistrat, gagner de acteurs dans le système nan, qui estimé qu'il y a quelques irrégularités dans le rapport. Alors, que M. Morin était intervenu sous Magic 9 et au cours de ce moment, il a dit que Libral a formulé, je crois, en demande, pas fait une directement ça le dire, mais il était estimé qu'il y a des magistrats, les pensées qui partent de doué, fait partie de lycée magistrats non certifiés, notamment, je crois, c'est vice-président Anama. Et nous avons parlé avec Martel Jean-Claude également, qui pensait que gagner de juges selon les mêmes qui Martel Jean-Claude non et pas Martel Jean-Claude mais et Martin Aîné Andy président association nationale et greffier haïtien yo ou même dans cas ça et qui ça vous pensez que gagner et quelques irrégularités dans rapport ça que CSPJ mettait dehors. Oui, tout à fait. Et nous avons même lecture avec un président Jean-Wilner Morin, et d'ailleurs nous avons pour parler. Et pour nous, capables de demander une audience auprès du CSPJ pour nous capables de clarifier certaines situations. Certification est nécessaire, est indispensable. Et nous croyons que l'étude a continué. Mais en même temps, il faut que nous assurions plutôt les bienfaits parce que les conséquences sont extrêmement graves sur la carrière magistrale qui automatiquement en prend fin. Et extrêmement grave tout sur la réputation, sur l'image du magistrat et capable tout, et nous parlons de ça tout à l'heure. Il y a des suites et qui baillent, notamment lorsque il y a des de actes de corruption qui sont reprochés à magistrats. C'est pour ça que nous étonnés. Il y a des monde qui a trouvé une liste non certifiée et ça a étonné un peu le monde, c'est pas même seulement, puisque le monde s'est joué d'une très bonne réputation dans un milieu. Et par exemple, par exemple, moi-même, je peux citer ou non, puisque nous étions au courant dès le début des dossiers, on juste en cours qui fait un petit bloc. C'est un juge d'ailleurs Anéa qui a remporté prix au cadet, qui sont pris chaque année, qui distinguaient des magistrats qui jouent d'une très grande intégrité, des magistrats qui distinguaient eux dans la justice. Et c'est un magistrat qui est respecté par ses collègues, aussi par les avocats, par les justiciables, et nous sommes étonnés côté que nous venons figurer dans une liste non certifiée. Maintenant, non, que le processus-là, l'IA doit être plus transparent. Et CSPJ, l'IA décidé sous base de mon rapport qu'une commission technique qui est même à travail et poli qui valide le rapport. Mais écho que nous avons, c'est qu'au niveau de cette commission, en pile fois, il y a manqué attentif à et défense que certains magistrats produisent par rapport à données qu'ils ont recueillies. Et nous avons l'impression qu'en pile fois, CTCA, les plus faire enquête à charge. Côté que, il y a des fois, avec prendre des simples allégations de bonne foi et il conclut à des conclusions et qui pas répondre à donner. C'est pour ça que nous avons fait en pile correction qui est tout faite pour ne pas arriver à des situations où tout le monde trouve dans la liste non certifiée, alors qu'il n'y a pas à supposer là, lorsque nous avons un. Pas gagné légalement deux fois de recours sur une décision qui est définitive. Et lorsque nous connaissons tout, conséquence grave que les juges ont gagné, j'aime ce que j'ai dit tout à l'heure, sous carrière magistrat, sous réputation dans la société, nous croyons que le processus là, doit apporter des corrections pour ne pas arriver dans des situations et à parler.
Oui, justement, c'est question ça n'a pas le poser où. Est-ce que c'est une décision qui est irrévocable? Est-ce que c'est seulement CSPJ qui a retourné pour des corrections ou bien gagner de organes judiciaires qui a cassé cette décision ça? Non, non. Et la loi pas interdit pour gagner on voit de recours, pas qu'on voit de recours ordinaire. Mais CSPJ, dans sa sagesse, il est capable de permettre que, dans certains cas, ils ont regardé certains dossiers pour vérifier est-ce qu'ils ont été trop payés, et si tel est le cas pour définir, s'ils n'ont pas trop payés, ils sont capables de mettre à décision. Et non, quoi que indispensable, lorsque vous avez une décision qui prend, et il y a des gens qui sont supposés applaudir la décision, ça, et ils ont rendu compte que ils ne sont pas capables d'applaudir parce qu'ils ne pas comprendre la motivation de décision ça. Donc, quelque chose SPJ, l'État est capable de permettre un recours gracieux fait auprès de lui, pas pour réviser l'ensemble des cas, mais donc que certains cas, ils étaient capables de garder dans sa sagesse pour qu'ils étaient capables de soit confirmer ou infirmer. Et là, c'est pour ça qu'ils ont fait à SPJ pour être capable de permettre ça. Mais légalement, la loi n'a pas été instituée. Ils ont voie de recours pour dire lorsqu'il y a une décision de certification contesté, pas devant qui organe pour faire contestation. Malheureusement, la loi qui porte un statut de la magistrature n'est pas prévoit ça. Maintenant, est-ce que c'est un faute si CSPJ pas en fait de suivi judiciaire avec rapport? Et en général, lorsque le rapport ça a sorti, CSPJ, lui-même, il fait liste de magistrats non certifiés et certifiés, ils comptent toujours à demander à autorité de 9, poursuite toute nouvelle, pour y sans faire stress, les sous nécessaires 109. par rapport à motif qui est retenu. Les noms des autorités de poursuite, de qui est-ce à parler? C'est l'ensemble des commissaires du gouvernement des juridictions du pays. C'est eux-mêmes qui vont engager des poursuites s'il y a lieu. Et donc, à ça, moi, quelques CSPJ, peut communiquer un dossier à magistrat pour être capable de parler et, au cas par cas, ça qui mérite de poursuite, pour être capable d'exercer des poursuites contre eux-mêmes, puisque il y a des motifs que CSPJ les publics, c'est des motifs d'ordre général qui permettent que nous ayons idée exactement ça qui reprochait à magistrat, ça. Maintenant, dossier de certification magistrat, il y a un pile d'éléments qui, à la base, éléments sérieux, capable de garder. Il y a là, c'est pas du tout d'infraction à la loi pénale. N'a qu'à ça, aucune poursuite n'a qu'à engager contre magistrat. N'a qu'à le motif, tout qu'il y a à la loi pénale. N'a qu'à ça, une autorité de poursuite, capable d'exercer de poursuite. Sauf qu'en cas, nous connaissons un magistrat qui peut certifier parce que, c'est un monde qui est alcoolique. Lorsque les boîtes les remplissent, ils sont sur la voie qui est, il y a des comportements qui étaient placés, et le même qu'on exerçait des dégradations mineures, Magique des 9, violences toute mineures nouvelle, sous sans l'autre stress, monde. sous Maintenant, 109. on dit pour ça, et ne pas commettre d'infractions qui gravent, ou c'est-à-dire sont simples contraventions, s'il t'a dégradé machine du monde, s'il t'a poussé au monde, sont simples contraventions, et ça, comme c'est vraiment pas le plus possible, et pour ça. Et on l'a que moi connais, c'est au magistrat qui, malheureusement, il fait pas de lit, il licencié en droit, mais il n'est pas gagné un baccalauréat 1. Et donc, pour ça, Magique puisqu'il n'est pas de bail 109. un faux document, c'est seulement de bail document, mais n'a qu'à ça, pas en mesure pour engager aucune poursuite contre lui-même. Pour le magistrat que moi connais, il était convaincu que la police était arrêtée pour des faits graves, maintenant, il utilisait, fonctionner comme juge d'instruction pour les capables entrer dans le commissariat et demander aux policiers de libérer, alors que le dossier n'est pas dans le cabinet. Ça, c'est une forme d'abus d'autorité. Dans le cas, on n'est pas capable d'exercer des poursuites pénales contre lui-même. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Maintenant, suivant les faits qui sont retenus dans le rapport là, maintenant, le ça, l'autorité de poursuite est capable de décider est-ce qu'il y a matière pour poursuivre Mounio ou pas. ULCC, qui est même dans notre limité de Yor. Et hier 20 janvier 2023, il fait connaître que
yo prend acte de publication liste magistrat non certifié par conseil supérieur pouvoir judiciaire là et yo posé tête question sous motif sous-jacente de absence de suivi judiciaire de Servin rapport d'enquête de corruption qui transmet durant deux dernières années dans la justice là. Et puis, vous faites connaître que vous pral justement et ouvrir et de enquête sur patrimoine de tout magistrat non certifié et qui soupçonné d'enrichissement illicite. Quelle provision légale l'ULCC gagne pour imposer une action comme ça? Oui, non. Et l'ULCC, lui, c'est un organe de l'État qui l'a pour lui mener enquête sur toute suspicion de corruption qui est capable de gagner sur tout fonctionnaire, sur tout agent et public. Et comme tel, c'est à bon droit que l'USCC a décidé, c'est pas l'USCC, l'USCC a décidé pour être capable de mener enquête sur les magistrats, parce que même le motif qui est retenu pour certains magistrats, c'est des suspicions de corruption. Soit parce que tu as reçu des pots de vin pour avoir une décision de justice, ou bien parce que tout, les magistrats, tout, les regardés, ils ont rendu compte que pas gain adéquation entre un patrimoine que vous possédez par rapport à revenu comme magistrat, ça ne peut qu'à régler enrichissement illicite. Et donc, c'est à bon droit que l'ULCC décide pour être enquêté. Mais là encore, j'en saute là pour la démarcation qu'il faut le faire. C'est spécifique. L'ULCC, excusez-moi, pas quoi il est nécessaire pour lui enquêter sur l'ensemble des magistrats qui sont certifiés. Donc, il doit prendre attache avec ses spécifiques. Pour les capables d'avoir accès à rapport qui concerne chaque magistrat, pour lui, un motif qui était à la base de non-certification magistrat, et si motif-là, il a rapport avec des faits de corruption, il est capable de devenir, il est capable d'enrichissement illicite, il est capable de trafic d'influence, et les ça, et motif ça, il est entré dans le champ de compétences à l'université, qui va bien pour lui approfondir enquête-là, et pour lui adresser un rapport à commissaire du gouvernement, suivant les zones de résidence concernées, et pour le commissaire du gouvernement lui-même, s'il y a lieu pour lui mettre l'action publique en mouvement et compte concerné. Mm-hmm. Mais là encore, nous sommes capables de trouver dans nos situations, malheureusement, c'est le cas. Côté que façon la justice organisée en Haïti ne pas permet que l'efficace, parce que nous connaissons, le commissaire du gouvernement est placé hiérarchiquement sous le contrôle de l'exécutif, qui est capable de révoquer, qui est capable de transférer, et au cas où il y a des cas, côté que, ben, comme c'est le gouvernement, il est capable d'hésiter pour poursuivre certains mondes, parce que vous recevez l'ordre, qui n'a pas fait ça, ou parce que vous connaissez si vous faites ça, il est capable de sanctionner. C'est pour ça que nous croyons que, au niveau de l'APM, nous croyons qu'il est indispensable pour que le statut comme c'est le gouvernement soit changé pour avoir plus l'habitude, pour avoir plus de liberté, comme magistrat, qui est capable de décider qui il est, qui est capable de mettre l'action en mouvement. Et il faut qu'il y ait un statut qui protège, puisque il y a un rôle fondamental dans ce procès pénal. Le statut qui est actuellement là va permettre que vous fassiez travail là correctement. Mm-hmm. Et tu as dit que au cas où on a gagné de poursuite pénale, c'est le CSPJ qui a remettre dossier avec les autorités de poursuite, mais dans cas ça, maintenant, est-ce que CSPJ l'a bien droit pour remettre dossier à ULCC? Oui, il est capable parce que ULCC, c'est un OPJ, c'est un officier de police judiciaire, ou c'est chercher l'existence d'infractions de corruption, c'est découvrir, c'est rassembler les preuves. Il est transmis par l'autorité de poursuite qui est le commissaire du gouvernement. Et maintenant, au côté qu'a dit, il y a même ça offert pour le travail pour le parquet qui pourrait permettre que le parquet ait assez d'éléments dans le milieu pour décider s'il y a lieu de poursuivre ou pas. Maintenant, dans certains cas, au cas où CSPJ, il n'y a pas gagné trop d'éléments concrets puisque pour lui être capable d'avancer. Mais suivant une appréciation que le fait, d'ensemble de faits qui viennent devant eux, les quoi que le magistrat sera, gagner des suspicions en que décision que le gagnant, il est à monnayer pour les gagner. Maintenant, l'USCC lui-même, il y a plus moyen, même puisque son organe technique qui a travaillé pour capable
découvrir infraction qu'il y a corruption, il est capable d'avoir plus outils pour les approfondir enquête là, pour les capables ouais est-ce que gagner élément pour capable poursuivre. C'est pour ça si gagne de rapport qui t'a de dossier qui t'a acheminé à parquet, laisse ça ULCC les papes qu'a saisi encore puisque organe de poursuite là les mêmes qui t'a saisi. Par contre si un parquet pour te toucher, il est capable toujours saisir tête lui puisque ULCC est capable de rouvrir dans la journée de la presse que lui même lui décider pour les regarder et est-ce que dans cas ça gagne des fractions de corruption. Et lorsque lui-même lui fait un travail, il y a une obligation pour lui transmettre des rapports à parquet, qui lui-même seul capable de décider pour lui poursuivre Bounio, puisque l'USC n'est pas un organe de poursuite, il est seulement un organe d'enquête. Maintenant.